Hey, 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 cucu mes petits culs et bienvenue pour ce nouvel épisode du Richissime Archéologue. Je ne pense pas que ce soit le dernier, hein. Malheureusement, aujourd'hui, on affronte le dernier temple de la semaine de vacances à Salvadorada, où Iowa va essayer de nouveau de franchir les étapes pour, eh bien, tout simplement, entrer dans le temple et... Non, possiblement, trouver des reliques qui nous manquent. Je n'y crois même plus, je vais vous le dire, je pense que je finirai jamais ce challenge, peut-être dans 2-3 ans. On aura le temps, du coup. Ah là, il a bien ouvert les lianes. On va donc affronter le petit danger de la jungle, que bien sûr, pour nous, n'est qu'une routine. Hein. Le danger n'existe plus. Iowa, il connaît la jungle comme sa poche. Et voilà, c'est les sables mouvants. On a une logique au niveau 10. Voilà, voilà, voilà. Matériel d'aventure, évidemment. On va au temple. C'est très simple. Iowa, il... comme ça. Nous voilà dans une templitude. Alors, tu vas me faire un petit pipi, déjà, pour commencer. Il a besoin de social. Oui, bah il casse les noix, hein, quand même. Hein. C'est pas dans le... voilà. Alors, ok, nous sommes ici. Bon, c'est un petit temple classique. Tu vas examiner ça. On a la rêve partie. On a des trucs à creuser. Voilà. Et puis, bah, tu vas examiner ce que tu peux. Voilà. Enfin, t'as la routine, quoi, mon coco. Hein. On n'est plus... voilà. Regardez un petit peu. On va visiter le temple avec lui. Au moins, voilà, on essaye de changer un peu parce que ça, ce let's play est très redondant. Hein, presque ennuyant, on force, mais bon. Si on peut faire quelque chose de nouveau avec la vue à la première personne, pourquoi pas, après tout. Sachant que c'est ses dernières heures dans le temple et à Salvadorada. Pour l'instant, il y a un an, deux peut-être. Donc, on va continuer. Alors, est-ce que cette fois-ci, il faudra faire des vannes à notre ami le Nom-Nom? On ne sait pas. Il a trouvé un calcaire, comme c'est étonnant. Il est où son calcaire? C'est pas ça. Il est là, hop, extraire un fossile. Pas de petite musique. Donc, toujours pas trouvé le dernier. Voilà, je ne dis plus rien, moi, à force. Hein. Alors, t'as trouvé? Il faut insulter la pierre qui s'écroule. Tu sais que tu me feras un petit site de fouille? Parce que je pense que comme on va finir les vacances ici, bah tu vas augmenter tes chances de trouver des trucs sympas, quoi. Voilà. Donc c'est ouvert ici. Ah, c'est ici. D'accord, c'est le petit truc que tu vas venir examiner là après. Et puis examiner les coupelles. Voilà. Faut bien s'habituer, il faut bien... Voilà, tout simplement. Pendant qu'Iowa est en train de faire mumuse et de copuler avec le pilier, fais-moi voir ce que tu as découvert. Alors, deux noms, hein, peut-être. On va compter sur les petites coupellettes. Oui. Ah, il a trouvé. Non, bah, tu vas faire une glyphe soleil, tiens. Puisqu'il faut bien du soleil pour illuminer notre vie. Ouais, bah c'était ça. Cool, Raoul! Tu vas donc examiner ça. Oh, un petit coffre. Voilà, tu vas examiner ça. Ah oui, donc il y a aussi d'autres choses. Voilà, 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 voilà. Il y a encore beaucoup de choses à faire. J'aimerais beaucoup savoir ce qu'il y a dans ce coffre. Je ne fais plus, je vous dis, je n'ai plus d'espoir. Donc bon. Eh bien, croyez-le ou non, dans ce coffre, il n'y a rien du tout. Ouais, ouais, je suis allée dedans, ouais. Ça me fait rire. On va attendre qu'Iowa ouvre le coffre pour voir une nouvelle vue quand même du jeu. Mais que je vous ai dit, on va essayer de voir des choses différemment dans cet épisode. Ça y est, il est en train d'ouvrir, il est en train d'ouvrir. Attention. Bon, on voit rien du tout. Je sais pas ce que t'as récupéré, mec, mais on a rien vu. Franchement. Une base de reliques du chaos. Bah ouais, mais bon, ça m'intéresse pas. Et les reliques en or, je sais qu'ils sont entières directement. Donc là, la base du relique, ça veut dire que ben, c'est toujours pas ce qui nous intéresse, quoi. Alors, ça, tu... Ça, est-ce que tu as regardé? Trois noms, hein, peut-être. Ok, bon, de toute façon, je te laisse bosser. Ah, il a découvert. Yes! Vas-y. Ça sert à rien de faire le troisième. Tu vas tirer sur l'arme du petit squelettos. Oui, là, tu te téléportes si tu veux, mais tant qu'on avance... Si, il est mort de rire, le mec. Il en peut plus, quoi. Ok. Ah, oh, bon, on est déjà à la fin. Oh, puis alors, il n'y a qu'un seul trésor. Pff. À moins qu'on ait les trois reliques qui nous manquent, quoi. Ouais, il me semble que c'est toujours 3 hein, qui nous manquent en or. Hein. Ben, on est mal barré, quoi. C'est tout, c'est tout, c'est tout. Allez!
Ouais, t'es content, mais moi je suis pas sûre de l'être. Base de reliques de l'observateur. Ouais, bon ben écoutez, ça n'a servi à rien encore une fois. Voilà, j'ai plein de bases de reliques, mais c'est pas ce qui m'intéresse. Tu me gaves, Iowa. Vas-y, tu vas me créer un site de fouille et puis on va fouiller. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas où avec ton vélo là? Mais il est fou ce mec. Bon, ça fait 3 heures au moins, 4 heures qu'il est sur ce tas de fouilles là. Bon, il trouve des masques, des statues, des koutals. Ce truc pas très intéressant quoi. C'est pas une relique, c'est pas du calcaire. Ça me déprime. Mais bon, on va aller jusqu'au bout, hein. On va tenter. Hein. Et voilà, maintenant il veut faire pipi. Ah, t'es chiant. Je vais voir pour lui acheter la vessie d'acier parce que vous en avez déjà parlé. Ah, c'est pas ça. C'est ici des traits. Est-ce que la vessie d'acier est disponible? Il a presque 20 000 points. Ça pourrait être pas mal. Vessie d'acier 2000. Ah bah écoute, on va lui acheter. Hein. Mais il doit quand même y aller. Bon, bah une fois qu'il ira, j'espère qu'il ira mieux après. Surtout qu'il n'a pas été avant d'aller dans le temple comme je lui ai demandé. Donc il se fout de ma gueule en plus. Nous avons trouvé un fossile. Qu'est-ce donc? Un fossile. On va tout de suite l'extraire. Hein. Une empreinte. Oui, bah c'est toujours pas ce qu'on. Ouais, voilà. Enfin, ça sert à rien, quoi. Voilà, c'est bien. Il a fini son truc. Ah, le pire, c'est que je lui ai demandé de manger, mais il fait pas ce que je lui demande. Mange. Mange. Mange ça. Promis. Après, tu sors. Tu vas te. Tu vas te faire du bien là, voilà, en plus le jour est revenu, le fournisseur d'eau a coupé, bah on s'en fout. Allez, viens faire pipi, et viens faire une petite sieste là, t'en as besoin. Et puis il va marcher à deux à l'heure, évidemment, en attendant d'aller se soulager. D'accord, donc il préfère aller dormir avant d'aller pisser. Bon, il nous reste 4 heures, il est hors de question, non, tu vas pas dormir, tu pisses. Mais pisse, bon sang! Pourquoi tu veux pas les pisser? Ça fait deux fois que je te demande d'y aller. Oh là là, il nous reste 4 heures là. On ne va jamais avoir le temps de faire quoi que ce soit. Après, tu viendras creuser. Voilà, le bon pipi là. Oh là là, le soulagement que ça fait quoi. Enfin, du moins, je l'espère pour lui. Allez, dernier petit site de fouille. Et puis, on va être téléporté à la maison. Comme un malpropre. Sans avoir avancé d'un iota sur le challenge. Voilà. Vous avez plus foi en Iowa que moi j'en ai. Je vous le dis tout de suite. Hein. Bon, il est 11h20. Je crois qu'il est parti vers midi. Bah voilà. Bah ouais, même pas. 11h25. Bah, et bah go, on rentre à la maison. Voilà, voilà. C'est la déprime. Tu vas pouvoir te coucher. Direct. Hein, comme ça, au moins, on est tranquille. Tu dors un peu. Et puis, qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse, moi, au bout d'un moment? On n'avance pas, on n'avance pas. On a reçu du courrier. Ah là là, on se fait harceler. On est à peine rentré chez nous que c'est déjà le harcèlement, là. Ça ne va plus du tout. Laissez-nous tranquille. Ça fait du bien de se laver de la crasse de Salvadorada. Hein. Ouais. On va payer les factures de presque 40 000 simflouz. On va manger nos pancakes. Et comment vont les plantes? Il y a toujours des trucs qui traînent un petit peu. Bon, c'est un petit peu... ouais. Bah, tu entretiendras le petit jardin. Et puis voilà, ce sera déjà pas mal. Bon, allez, on va faire un peu le tri. J'ai encore un fossile à ouvrir. C'est une moustache. Ça n'a donc rien à foutre là. les reliques, on va tout dégager parce que ça, on les a déjà. Donc, clac, 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 2913 simflouz. Nous avons également tout ce qu'on a trouvé là en or. Tac, 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 tac. Il y a quand même énorme. Hein. On a quand même 1, 2, 3. Là, il y en a 4. Ça fait 7, 8, 9, 10, 15 grenouilles. Non, mais quand même. Et on a 5 assiettes. On en a pour 174 000 simflouz. Il a presque 1 million dans sa poche. C'est énorme. Puis bon, ben, on amasse de trucs ici à authentifier tout ça. Donc ça va nous occuper. Pff, voilà.
D'ailleurs, je vais virer ça parce que ça nous sert strictement à rien, tout ça. Donc voilà, 1000 simflous, c'est très bien. Si, il y avait encore un autre truc. Mais... Voilà. Bon, sinon, vous êtes comme moi, vous l'avez trouvé un petit peu empâté, le Iowa. Donc, il va nous refaire d'un petit peu de longueur pour retrouver son fitness. Je sais pas d'où ça vient parce que, ben, il s'est pas gavé de bouffe, hein, machin. C'est juste d'un seul coup, entre deux épisodes, il était un peu plus empâté. Mais c'est quand même bizarre parce qu'il a quand même niveau 10 en fitness. Logiquement, il devrait pas reprendre de poids. Enfin, bon, bref, j'en sais rien. Bon, ben, il va faire un peu de pistouche. Histoire de retrouver la ligne pour nos yeux et pour nous faire plaisir. Ah! Regardez qui est là! Et c'est Kiyoshi! C'est son amoureux! Ou presque! Une de ses conquêtes! Et tu vas l'inviter à rester dormir, et puis parce que comme il n'a rien fait depuis un moment, et voilà, ça a été... Quoique non, c'est pas vrai, je dis des bêtises! Ça n'a pas été ceinture à Selvadorada. Il a quand même conquis une demoiselle, je crois. Ah ouais, non, mais tu t'es empâté, mon petit, quand même. Ça ne va plus, là. Peut-être que du sport en chambre te fera du bien. On sait pas. Voilà. Bon, même s'il est un poil plus gras et vraiment, ça se joue à pas grand-chose. Voilà, le moment Simrumba. Avant qu'il aille onduler son body... dans son lit avec Kiyoshi. Et en plus, ça rime avec des i. C'est merveilleux. Oh, le poule. Oh, le poule. Oh, le poule. Allez. Merci, Iowa. Allez, youp la boum, c'est les galipettes. C'est le petit matin, Kiyoshi s'est dit qu'il allait partir après la petite nuit d'enfer qu'il a passée avec Ayo. Hein. Coquin, va. Bon bah, pendant que tu petit déjeunes, tu vas découvrir un objet ancien, voilà, et authentifier un autre. Voilà, comme ça, moi, on commence à se débarrasser des trucs. Voilà, il faut bien faire quelque chose. Hein. Si vous avez des idées encore, à part l'escalade et le Mont Komoribi, je prends. Oh mon dieu, Iowa a perdu son niveau de célébrité. Oh bichette, une semaine à Selvadorada et tu n'es plus personne. Oh. Ah là là, pris en flagrant délit de plongeon illicite. Plouf, il a fait une bombe. Il est content. Si tu veux nager, aucun problème, Iowa, tu vas nager. Allez, tu vas me faire des longueurs, là. Tu vas récupérer ton corps d'éphèbe et d'athlète. Non, mais dis donc. Bon, le pauvre, il a une élongation, là. Je crois que je lui en ai trop demandé. Après pas mal de longueurs et le petit footing, il commence à en avoir marre. Bichette. Bah oui, mon biquet. Mais tu sais, c'est pour que tu sois... Oui, oh, je suis désolée. Tu vas aller prendre un bon petit bain bien chaud avec des bubules. Voilà, pour te relaxer. Vas-y, vas-y, vas-y. Oh ben! Qui est là? Coucou Erika, comment tu vas? Bah, il voulait regarder la télé, mais finalement, il va faire autre chose. Tu vas la flatter, tu vas parler de bricolage, tu vas t'enthousiasmer pour la nature. Arrête! À chaque fois, il va manger sur sa terrasse. Et ça commence à être chiant, en fait, parce qu'il a de la place partout ailleurs, mais il faut qu'il aille là, exactement ici. Sinon, il ne peut pas manger. Et puis, une fois qu'il s'est assis deux secondes, il faut qu'il reparte dans l'autre sens pour faire la suite de ce que je lui ai demandé. Réputation extraordinaire, Iowa est un exemple de positivité pour la communauté. Dans son sillage, les Sims esquisseront un geste de la main et un sourire amical, et sa présence illuminera la journée de tous. Incroyable, Iowa, incroyable. Bon, vous en doutez, hein, puisqu'elle est là, et puis que là, c'est le défilé. Un jour, une nouvelle personne. Un jour, une conquête d'Iowa. Et bien voilà, après Kiyoshi, ce sera Erika de passer dans son lit. Iowa, youp la boum, c'est le roi du crack-crack. Ouh là 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 là, c'est étincelle en plus. Allez, une nouvelle journée commence pour Iowa. Une journée où il se réveille seul. Alors non, tu vas sûrement pas prendre un jus d'orange pourri. Si t'as faim, tu manges un vrai repas, mon petit. Hein? Parce qu'après, on se demande d'où ça vient. Pourquoi t'es tout gras, là. T'es plus sexy. Ça ne va plus du tout. Voilà, pendant qu'il est en train de
S'occuper des vestiges à découvrir. L'association des objets anciens lui renvoie encore des objets. Bon, ça fera monter encore plus la cagnotte de son portefeuille. Alors, je pense que d'ici le temps qu'il découvre tout, on va peut-être arrêter. Tiens, 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 Chloé est arrivée. Chloé a envie de tirer un petit écho. Avec Iowa chouchou, avec Iowa chou. Regardez-moi ça. Tu veux nous offrir un cadeau? Ouais, vas-y, 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 viens. C'est quoi ton cadeau? Il est caché entre tes jambes? Coquine. Qu'est-ce qu'il a? Pourquoi il est blasé? À la bougeotte, style de vie grand voyageur. Oh là là, bichette, t'es chiant un peu quand même, non? Les styles de vie, hein, ça c'est... Ça peut être relou. Parce que si vous faites deux, trois fois la même chose avec votre Sims, eh bien il devient accro à certaines choses alors que c'est pas son humeur habituelle, quoi. Oh là là. Et dis donc, d'où tu casses ma note poubelle, toi, là? Tu te prends pour qui, meuf? Oh, dis donc, Sagouine. Vu que Chloé a pas l'air de vouloir lui donner un cadeau, il fait son petit footing. Ça va peut-être lui faire du bien de voir un peu l'île, mais je crois qu'il veut qu'on bouge et me casse les pieds aussi, lui, à un moment donné, non? Bon, bah il est reblasé. Après sa petite excursion dans la piscine, on bougera. On va aller dans un monde, enfin, se balader un peu. Bon, et là, est-ce qu'il est un peu mieux? J'ai l'impression qu'il est un peu mieux. Oh, puis alors, oh oui. Ah oui, vas-y, fais des pompes. T'as raison, fais de l'exercice, fais des abdos aussi. T'as besoin de faire des abdos, mon petit. Franchement, fais-toi plaisir. Nous, on aime ça. Ah ouais. Ouais. Ah, c'est beau, ça. Alors, toujours en petit maillot de bain. Il a retrouvé quand même une meilleure forme, je trouve. Et on est parti, donc, ici, dans les ruines anciennes, puisqu'il a envie de bouger, donc, voilà. Et il est content, je crois, hein. Voilà, meilleure nature, on bouge, on s'amuse, donc, il va s'éclater, il va allumer le feu. Et il va faire des danses tribales autour, tiens. Allez, vas-y, danse. Cette fois-ci, il n'y a pas de Simrumba, mais... Voilà, ouais, ah oui. Ah oui, tu nous donnes chaud, Ayoma, tu nous donnes chaud. Ah oui, vas-y, ondule ton corps. Oh, vas-y. Ah oui. Ah oui, oui, oui. Ouais, sans musique, c'est vrai que ça, c'est un peu stupide. Ah voilà, c'est ce que je voulais voir. Les trucs de feu. So psy-psy. Après, s'il pouvait se cramer le maillot de bain, je serais pas contre, histoire de... quelques petites surprises. Waouh, il est trop fort. Il est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop fort, cet Iowa. De loin comme ça, ça fait nettement moins impressionnant et surtout, il a l'air d'un gogol, l'unique gogol du lieu, quoi. Qui fait le débile autour du feu. Ah, finesse, Iowa. Ouais, mais il gère à fond, par contre. Il gère beaucoup trop bien. Il sait tout faire, ce mec. Ça devient frustrant, au bout d'un moment. Enfin, il sait tout faire. Sauf trouver les reliques qui me manquent. Ça, je dis rien. Je dis rien. Bon, Iowa. Maintenant que t'as bougé, que t'es content, on va peut-être rentrer. Parce que t'as faim et il n'y a rien pour manger. Et puis, voilà, tu prendras une petite douche. Comme ça, vous pourrez voir son beau corps musclé. Et il a retrouvé la forme, quand même. Hein. Il est mieux comme ça. Oh là, mais il gère, mais c'est impressionnant. Allez, on rentre. Ah non, il est toujours blasé. Oh, tu me casses les filles. Hein. Zut. Oh. Mais elle a encore fait des... Non, mais cette fois-ci, c'est pas Eric, hein, c'est l'autre qui a fait à bouffer, quoi. Non, mais... La blague. Tu vas me manger une portion de ça, mon coco? Non, pas non pas le gâteau. C'est pas diététique pour toi, ça. Tu vas le jeter, ce gâteau. Quand même, on n'en veut pas. Et puis après, ben, tu prendras une bonne petite douchette. Et t'iras au lit, évidemment. Comme ça, on finira... bien la journée. Et pendant qu'Iowa va se coucher, moi, je vous remercie d'avoir regardé cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu, malgré qu'il se passe pas grand-chose et qu'on n'a toujours pas fini ou avancé d'un iota sur le challenge. Et on se retrouve la semaine prochaine pour les aventures d'Iowa dans sa vie non trépidante entre deux voyages à Salvador. Je vous fais des très gros bisous. À très bientôt. Ciao, ciao.